taking away to the dark side. I wanna be your left hand man. I love you when you sing in that song. And I... Bon matin tout le monde. Donc en fait il est présentement 11h50 et on est à Montréal sur Saint-Denis. On s'en va manger au Sushi Saint-Denis. J'ai pas mangé mes sushis préférés depuis avant d'être enceinte, donc probablement en juin là, qu'on est venu, je sais pas, peut-être c'est avant ça même là, mais en tout cas, ça fait longtemps, puis j'ai vraiment hâte de les manger. Dans le fond, c'est qu'il y a du saumon cru là-dessus, donc voilà pourquoi enceinte, j'en prenais pas. T'as hâte toi, Anthony? Et ça fait quand même très longtemps aussi qu'on a été, je pense qu'on était venu. C'est ça, puis c'était comme... Peut-être au mois d'août, septembre. Ça fait longtemps, ça fait longtemps. Donc, je me suis maquillée dans l'auto. J'ai vraiment eu de la misère à faire mes sourcils dans l'auto. Là. C'est comme pas évident. Alors, ça se peut que ce soit bizarre. Et, écoutez, mes cheveux, là, c'est des cheveux de 3 jours. Comme hier, j'ai même pas eu besoin de mettre du shampoing sec. Aujourd'hui, j'ai mis du shampoing sec, puis ils ont l'air... Ouais, elle est mal propre. Anthony dit que je suis mal propre. Moi, je me lave les cheveux tous les jours. On s'est même pas vu. Du savon, oui, c'est vrai. Ok. Avec du savon. Alors, voilà, j'ai emporté mon sac à couche. Il est vraiment plein parce que j'ai emporté mon écharpe. Je sais pas, au cas où, là, parce que au Sushi Saint-Denis, on reste là quand même longtemps, là. Fait que, je sais pas, s'il y a quelque chose, ben j'ai mon écharpe avec moi. J'ai vraiment aimé ça, l'avoir sur moi hier. Alors, c'est ça, il fait vraiment chaud aujourd'hui. On a même l'air climatisé dans l'auto. Alors, j'ai mes allergies, fait que c'est... j'ai mieux avoir l'air climatisé. Hein? C'est 21 aujourd'hui. 21 degrés. J'ai même enlevé ma veste. Donc, ouais. C'est ça, on s'en va au Sushi Saint-Denis avec Marco, le frère Anthony. Hein? Marco est censé déjà être là. Ouais, on est un petit partout. Donc, on est au Sushi Saint-Denis. Fait que là, on a pris saumon mangue, saumon tempura, bœuf, crevette tempura, j'ai dit bœuf. Fait qu'Anthony. Sortes. J'essayais pas avant. On a des Dragon Eyes qui sont arrivés. Ah ouais? Ah. J'ai pas le temps de faire un peu de la fait que là, on est sur Saint-Denis. On s'en va. Marco, il tient son neveu. Il est-tu caché du soleil? Ouais. Super. Bon, fait qu'aujourd'hui, j'ai mis des jeans, comme on peut voir, mais c'est des jeggings. Avec mes souliers Nike, un cardigan. Pour tout le monde, on est à la maison. Et là, je m'en vais dans mon sous-sol. Vous ne me voyez jamais aller dans le sous-sol. J'espère que je ne vais jamais. Puis là, je suis désolée, vous entendez ma super laveuse. J'ai rajouté des vêtements. J'ai juste à partir, puis là, Anthony a été changé de Jaden. Fait que je vais rajouter son pyjama. Fait que, ouais, c'est vraiment le bordel ici. Là, regardez, même pas, portez pas attention. On remonte en haut. Donc, c'est ça, on a été au Sushi Saint-Denis. Ça a super bien été avec Jaden. Il a comme même pas pleuré, là. Dans le fond, dès que c'est arrivé, je suis full rouge. Je vais me nettoyer le visage. Dans le fond, dès qu'il s'est réveillé, je l'ai nourri. Ouh, excusez. J'étais un peu épuisée. Bon. Je l'ai nourri, puis, tu sais, il a pas attendu. Là. J'ai pas attendu qu'il pleure, là. J'étais comme, on l'a nourri tout de suite. Puis, excusez, je suis saoulée. C'est ça, donc voilà, il a pas pleuré. Puis après, il est resté réveillé tout le long, là. Mais on est resté longtemps parce que, en fin de compte, sa mère aussi, elle nous a rejoints. Mais ils sont arrivés plus tard, elle puis Marco, parce qu'il avait pas compris l'heure qu'on se rejoignait. Donc, il pensait que c'était plus tard, donc il s'est arrivé après. Fait qu'on est resté quand même, genre 3 heures là, là-bas quasiment. Puis ça a super bien été. Donc, c'est le fun. Qu'est-ce qu'il y a? Son vêtement est spécial. Qu'est-ce que... Je suis en train de filmer. Qu'est-ce que papa Anthony a mis à Jaden? Tu m'as pas joué un pantalon comme ça? Un pantalon.
vu qu'il y a un pantalon spécial. Qu'est-ce que ça fait? Il faut attacher mes pieds. C'est bizarre. Ouais. C'est... Il parle du pyjama. Vas-y, montez. Il faut attacher complètement les pieds par autour des jambes. Il y a des vêtements qu'on découvre en fait parce que j'ai eu plein de vêtements donnés. Donc, c'est ça. Ah, c'est bizarre. Ok, puis celui-là, il n'y a pas de pattes dans le fond? Ah, ben, je l'ai attaché déjà. Il n'y a pas de pieds, c'est ça que je veux dire? Non. Voilà, alors papa. Il y a un peu grand pour lui, par contre. Bon, c'est pas grave. Là. C'est bien grave. C'est un gap. Oh, tout cute là-dedans. Alors, papa, t'en es changé d'une. Puis, ah, tu as mis la crème? Non. Ah, c'est de plus matin. Donc, c'est ça. Fait que ça a bien été. Puis, t'as aimé ça, Anthony, Sushi Saint-Denis? D'habitude, c'est toujours pas. Il y a l'air d'un prisonnier. Parce que c'est ligné. Ok, c'est ça. Donc, là, on s'en va écouter une émission. Il fait super beau, là. Les fenêtres sont toutes ouvertes. C'est vraiment chaud dehors. En fait, moi, j'ai pris une douche. Il vient de sortir de la prison. Tu veux l'entrer? Ah, mais c'est pas super. C'est... Mais il est pas si grand que ça, c'est juste que les pattes sont faites comme lousses. Je vais donner un grand corps mais des petits jambes. Fait que c'est ça, on s'en va écouter How I Met Your Mother. Puis plus tard, on va écouter un film sur Netflix. Puis c'est pas mal ça, là. Oh, j'ai pas faim pour souper. Parce que quand on dîne au sushi Saint-Denis, on est plein après. Fait que là, je mange une banane. En écoutant The Hundred.